Je crois qu'on est au carrefour. Va-t-on sur l'harmonie ou continuons-nous dans la dystopie? Et moi, je veux faire gagner l'harmonie avec tout mon bagage culturel, tout cet apport. Tu vois, moi, je viens d'une cette culture où on se touche, on est bienveillant envers soi, on est... Voilà, on est généreux avec les autres, on accepte que certaines personnes soient à un certain niveau, puis d'autres à un autre. Et là, on s'accompagne, on se soutient, on se porte. C'est ça la force aussi des communautés. Les gens prennent soin les uns des autres, on n'est jamais seul. Moi, comme mon grand-père est décédé il y a 3 ans, ma mère a dû 1 200 personnes qui se sont déplacées de tous les villages autour, de beaucoup de... Eh, c'est énorme! Dans un petit village qui, normalement, a 100 personnes à tout casser. Mais, et ça, je trouve que c'est un bel héritage que l'Afrique nous donne, parce qu'ici, on veut tout porter le poids sur nos épaules. Oui, moi, ici, les deuils, je ne suis pas au courant quand quelqu'un est mort. On me dit que non, mais c'était trop difficile, je ne voulais pas communiquer. Puis j'avais dit une fois à une amie, mais comment as-tu pu porter ton mort tout seul? Oui. Chez nous, ça ne se fait pas. Elle dit, oui, mais t'es au Québec. Je dis, mais faut que t'arrêtes de faire Québec. Parce que ça fait 6 mois que j'entends pas parler de toi, que tu reviens pas vers moi parce que tu es enfermée là-dedans. Ouais. Au contraire, partage avec moi ton fardeau. Oui, et ça fait toute la différence. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu Thomas et Nélia, mais il y avait tellement de monde autour de nous qui nous faisait des petits plats, qui nous cuisinait. Et ça, là, l'amour autour de nous, là, le support, là, et le fait que j'acceptais que là, j'étais dans un état où je recevais. Là, c'était pas à moi là, de prendre soin des autres. Là, j'étais dans un moment où c'est les autres qui prenaient soin de moi. Ça m'a tellement... ça m'a permis de vivre mon deuil, en fait. Ça le vivre tout. Pleinement. Ça change tout. Et c'est tellement précieux, en fait. La communion, le support, la solidarité.